Salut et bienvenue dans ce tuto où je vous montre comment faire un mémo pour enfants avec ces photos. C'est un joli cadeau pour les soirées d'hiver. Et en plus, si vous avez un ordinateur, une imprimante, c'est assez économique. Vous préparez ces photos sur Word. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je l'imprime, si c'est possible, sur un papier cartonné. Avec l'aide de massicot ou simplement des ciseaux, vous pouvez couper les photos. C'est pas grave si la mesure des photos c'est pas parfaite. Dans ces cas-là, j'ai pris une largeur ou une longueur de 7 cm pour avoir à peu près la même mesure partout. Et il y a des photos carrées et il y a des photos rectangulaires. Couplet des photos. Si vous voulez faire quelque chose de très qualitatif, vous pouvez l'imprimer sur papier photo. Le résultat, c'est toujours meilleur que sur carton. Et dans les magasins des loisirs créatifs, vous pouvez trouver des jolis papiers et des papiers adhésifs. C'est très pratique parce que vous n'avez pas à coller les photos. Je ne colle pas directement la feuille A4 car ce serait trop épais pour mon massicot. Si vous collez la feuille A4 directement, il faudra puis tout couper au ciseau. Autrement, avec un massicot vraiment professionnel. Mon jeu de cartes, c'est fini. Je suis très contente du résultat. J'ai trouvé une vieille boîte à bijoux. J'ai collé une photo, des jolis stickers. Et en plus, petite curiosité, j'avais passé des M et j'ai pris des W et je l'ai tourné. J'espère que ce tuto, ça vous a plu. Et surtout, à bientôt avec Arobi et ses prochains jeux de cartes. Ciao, ciao!